cette géniale idée, dans quelques instants, vous allez retrouver un public suisse. On dit qu'il est froid, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Au contraire, il est très chaud. Beaucoup plus chaud que dans certaines villes où je passe, en France ou ailleurs. Vraiment, il a toujours été très bon en Genève. À votre avis, quelle est la situation la plus compatible avec le mariage? Une vie de soldat ou une vie d'artiste? Ça dépend. Je crois que c'est quand même une vie d'artiste parce que, à moins que votre femme vive avec vous, parce que non, en tant que soldat, pour voir sa femme, il faut des permissions. Et ça demande toujours beaucoup. Il y a beaucoup plus de problèmes que dans mon métier. Mon métier, si je veux ne pas travailler pendant 2 mois, je ne travaille pas et je reste avec ma femme. Qu'est-ce que vous attendez du mariage? J'attends des enfants et de finir mes jours heureux. C'est tout? Enfin, beaucoup de choses, mais enfin, ce serait trop long à expliquer. Ce que j'attends du mariage, c'est de continuer à aimer ma femme comme je l'aime pour l'instant, qu'elle continue également de son côté, qu'on ait des enfants et qu'on soit heureux. Qu'est-ce que vous attendez du public? Du public? Eh bien, j'attends le public. J'espère que ce que je leur fais, ce que je leur chante leur plaît. Enfin, j'essaye de leur plaire au maximum. L'enfant, vous êtes un homme heureux? Ah oui, pour l'instant, oui. Le bonheur, c'est quoi pour vous? Le bonheur, c'est d'avoir des gens qui vous aiment bien autour de soi, d'avoir le moins de problèmes possible. Depuis plusieurs années, vous connaissez une gloire internationale. Qu'est-ce qui est le plus une gloire internationale? J'avais compris, le bar international. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la gloire ou l'argent? Honnêtement, ni l'un ni l'autre. Enfin si, bien sûr, on ne peut pas vivre sans argent, ça tout le monde le sait. La gloire, j'ai commencé à chanter parce que j'aimais chanter, pas pour avoir spécialement de la gloire. De l'argent, ben ma foi, je chante, je fais un métier, ce qui me permet de gagner ma vie, j'en suis très heureux de le gagner, mais demain je ne gagnerai beaucoup moins d'argent, pour ainsi dire plus du tout, ou juste de quoi s'y vivre. Je continuerai à faire ce métier-là parce que c'est le métier que j'aime et que j'ai choisi. Qu'est-ce que vous apporte la gloire? La gloire? Je pense que la gloire, c'est une question, c'est un métier plutôt qu'autre chose. Ça m'apporte. Bien sûr, au début, quand on est un jeune chanteur, qu'on débute, que les gens vous reconnaissent dans la rue, ça vous fait toujours plaisir, car c'est nouveau. Mais c'est pas toujours très drôle non plus.